Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une délicieuse crème pâtissière fait maison que vous allez pouvoir relier avec notre vidéo choux à la crème en cliquant juste ici. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 500 ml de lait, de 3 jaunes d'œufs et d'un œuf entier, de 125 g de sucre, 50 g de farine et, attention très important, une gousse de vanille. Dans un saladier ou un cul de poule, mélangez les 125 g de sucre avec l'œuf entier et les 3 jaunes d'œufs que nous allons clarifier, ce qui signifie tout simplement séparer le blanc du jaune. On récupère le jaune que nous allons mettre dans le saladier avec le sucre et nous allons blanchir. Donc on va simplement mélanger rapidement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois cette opération terminée, ajoutez les 50 g de farine et on remélange. On s'occupe ensuite de notre lait que nous allons mettre dans une casserole et porter à ébullition. On y ajoute ensuite notre gousse de vanille que nous allons couper en deux pour l'ouvrir. L'écarter légèrement pour que les grains puissent partir dans le lait. Et on met tout ça dans la casserole. Laissez ensuite bouillir le lait avec la gousse de vanille sans oublier de mélanger, attention, pour deux raisons. Pour bien infuser la gousse de vanille et pour éviter que le lait accroche. Dès que le lait est arrivé à bonne température, versez-le d'un trait sur le reste de la pâte et mélanger la totalité. Remettre la préparation dans une casserole et cuire à feu vif pendant 4 à 5 minutes sans oublier de mélanger, attention, pour ne pas que la crème colle au fond de la casserole. Dès que la texture de votre crème est satisfaisante, débarrassez-la dans un récipient bien froid. Deux solutions, soit vous pouvez utiliser votre crème pâtissière tout de suite, par exemple pour une tarte aux fraises, ou la mettre de côté, comme nous, pour nos choux à la crème. Alors dans ce cas-là, on va la filmer au contact. On va venir mettre un film fraîcheur par-dessus et le poser contre la crème. Voilà, vous venez de réaliser une délicieuse crème pâtissière fait maison. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez, pour des choux, pour des tartes aux fraises, pour un millefeuille, comme vous voulez. Bon appétit, régalez-vous.